C'est par ces slogans que les jeunes venus massivement pour répondre à l'invitation du FNDC qui, dans la matinée, avait annoncé que tous les détenus politiques seront libérés dès ce lundi. Maître Mohamed Traoré, l'un des avocats des détenus politiques, est resté méfiant quant à une possible libération des détenus politiques. Pour l'instant, je n'ai pas la confirmation qu'ils ont reçue de notre avec le directeur de la prison, qui, pour l'instant, n'a pas reçu d'instruction. Donc nous sommes dans l'attente. Devant la sûreté, des militants du FNDC étaient déjà nombreux pour que l'inquiétude grandisse et les hommes en uniforme qui ont usé du gaz lacrymogène suite à l'arrivée de l'artiste Eli Kamano. Ces jeunes très remontés s'attaquent au régime d'Alpha Condé. Abat les tortures dans nos différentes prisons. Abat les arrestations arbitraires. Vive la liberté. Vive l'armée républicaine. Vive la force spéciale. Abat le procès Alpha Condé. Abat le gouvernement. Abat le feu. Finalement, les détenus politiques n'ont pas été libérés pour respect des procédures selon les informations. Au moment où nous quittions les lieux, la foule était dispersée et la rentrée de la sûreté était quadrillée par des hommes en uniforme.